Bienvenue à l'enregistrement du culte pour le deuxième dimanche après la Trinité. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages, ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu, tes jugements sont profonds comme l'océan. Combien ta bonté et précieuse au oh Dieu. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant Toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment dans le temps. Et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis. Et je te supplie par ta grâce infinie et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes. Écoutez cette parole de réconfort, sachant que Jésus a expié tous vos péchés par sa mort innocente. Allez en paix. Vous êtes pardonnés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô oh Dieu, dans la providence dirige toutes choses, tant dans le ciel que sur la terre. Nous te supplions humblement d'éloigner de nous tout ce qui est nuisible et de nous accorder les choses qui sont pour notre bien-être. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour le deuxième dimanche après la Trinité se trouve dans la Genèse au chapitre 3, les versets 9 à 15. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu Il répondit J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors, je me suis caché. L'Éternel Dieu dit qui t'a révélé que tu étais nu? Est ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit. C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme. Pourquoi as tu fait cela? La femme répondit. Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, du chapitre 4 au verset 13 au chapitre 5 verset 1. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme ici prend fin la lecture de l'épître écoutez enfin avec attention et recueillement l'évangile selon marc au chapitre 3 les versets 20 à 35 ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas Lorsqu'ils apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient il a perdu la raison. Les spécialistes de la loi, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient il a en lui Bézabul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole comment Satan peut-il chasser Satan si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en a fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort alors seulement il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière, parce qu'il disait, Il a un esprit impur. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, Voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. Il répondit, Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit, Voici ma mère et mes frères. En effet, c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, Son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. La Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, au cours de ton ministère, tu chassas les esprits des démoniaques par ta parole. Bénis la prédication de ta sainte parole à travers le monde afin de libérer ceux qui sont influencés, tourmentés ou possédés par les esprits malins. Par cette prédication, envoie-nous ton Esprit Saint pour que nous restions fermes et rejetions le diable ses œuvres et ses voix. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une des particularités de l'Évangile, selon Marc, est qu'on y trouve une abondance de références Concernant la manière dont Jésus se confronte au royaume du diable. En lisant les évangiles, on constate que Jésus et ses disciples firent face aux démons plus souvent parmi les non-Juifs que parmi les Juifs croyants. Certains pensent que Marc aborde le sujet du combat spirituel dans ce livre parce que son évangile était destiné au public non-juif, pour qui les démons étaient plus problématiques. Marc écrit que les esprits impurs, quand ils voyaient Jésus, se prosternaient devant lui et s'écriaient, Tu es le Fils de Dieu. Marc montre ainsi que Jésus et le fils de dieu qui n'agit pas de concert avec les démons que jésus est plus puissant qu'eux et que les démons ne se soumettent pas volontiers à lui dans le texte de l'évangile déjà lu nous apprenons que les spécialistes de la loi pensaient que jésus était possédé par satan et qu'il réalisait ses miracles et ses exorcismes par son pouvoir, c'est-à-dire par le pouvoir du diable. Nous bénéficions de leur accusation. Pourquoi Parce que les spécialistes de la loi étaient des témoins hostiles. C'est une chose que les adhérents de Jésus disent qu'il faisait des miracles. C'en est une autre que les adversaires de Jésus reconnurent qu'il faisait des miracles et chassait les démons. La question n'est donc pas de savoir si Jésus était puissant ou pas. La question est celle de la source de son autorité. Les chefs des prêtres ne nièrent pas ses œuvres, mais les attribuèrent au diable. Dans l'Évangile selon Jean, nous lisons que les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. À l'époque, les Juifs annonçaient un procès 40 jours à l'avance. Dans un extrait extra-biblique, qui parle de Jésus de Nazareth, le Sanhédrin 43 du Talmud, nous trouvons ce qui semble être l'ordre des chefs des prêtres et des pharisiens. Qu'il soit lapidé parce qu'il pratique la sorcellerie et tente la nation à l'apostasie. Quiconque peut le défendre, qu'il vienne plaidoyer pour lui. Jésus n'a pas été lapidé comme c'était la pratique des juifs mais il a été crucifié parce que Pilate était à Jérusalem pour la fête de la Pâque juive. Cela n'empêche pas que l'intention du Sanhédrin était bel et bien de mettre Jésus à mort. Quant à nous, en tant que chrétiens, nous tenons au fait que Jésus pouvait guérir et chasser les démons parce qu'il est Dieu. Voici comment il se défendit dans notre évangile. Jésus appela les spécialistes de la loi et leur dit, comment Satan peut-il chasser Satan C'est si un royaume est confronté à des luttes internes? Ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister. C'en est fini de lui. Trois fois Jésus explique que ce n'est pas logique de croire que ce qu'il faisait venait du malin. C'est comme si Jésus avait dit, comment Satan peut-il se chasser Si Satan fait face à des luttes internes parmi les démons, c'en est fini de lui. Mais si vous avez tort, si Satan ne se chasse pas lui-même, il est une puissance forte contre laquelle je lutte pour les gens libérés ce n'était pas un débat religieux hypothétique mais qu'il en allait de leur salut et de leur libération de l'oppresseur écoutons donc la parabole que Jésus raconta personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Il faut comprendre que le diable est l'homme fort, un ennemi puissant qui garde attentivement ce qui lui appartient. Personne Personne ne peut entrer dans sa maison. Mais la parabole introduit un autre caractère. Il, seulement il pillera sa maison. Cet homme est identifié comme étant plus fort que l'homme fort. Il arrive et attache l'homme fort pour qu'il ne puisse plus rien faire. Et que fait l'homme plus fort il pille la maison. Il n'est pas un petit délicat qui profite d'une opportunité et vole une bicyclette devant une maison. Il n'essaie pas les portes d'une voiture pour voir s'il peut piquer les pièces de monnaie quand personne ne le voit. Non. C'est plutôt comme si un voleur planifiait soigneusement un assaut stratégique contre le palais Buckingham à Londres, pour vider les trésors cachés dedans. L'homme plus fort a un unique objectif. Il désire ce qu'il y a dans la maison. Il attache l'homme fort avant d'y entrer. Il faut comprendre que l'homme plus fort est Jésus. Que voulait-il soustraire du diable? Vous, moi, tous les saints de Dieu, tous les élus, l'Église universelle, les choses qui lui sont les plus précieuses. Nous sommes nés esclaves du diable, incapables de nous libérer. Jésus vint pour nous chercher, pour nous faire sortir de la maison du diable pour nous libérer, pour nous prendre chez lui. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Colossiens chapitre 1, les versets 13 et 14. Par la foi en Jésus-Christ. Vous n'êtes plus sous le pouvoir du diable. Vous avez été délivrés du péché, de la mort et de la condamnation éternelle. C'est ainsi que nous comprenons le chapitre 20 de l'Apocalypse. L'apôtre Jean écrit, Puis je vis un ange descendre du ciel et tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable. Et Satan l'enchaîna pour mille ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient passés. Satan a été attaché parce que Jésus s'est laissé attacher, arrêté. Et accusé. Là où personne ne pouvait entrer, la mort, c'est lui qui n'est pas seulement une personne, mais Dieu fait chair. Il y est allé et en est sorti. Satan est lié et limité. Ceux qui vivaient dans les ténèbres ont été libérés. Jésus ressuscite ceux qui sont morts dans leurs péchés. Quand Dieu permet à Satan de vous troubler, tenter ou tourmenter, c'est pour votre bien-être. Dieu ne vise pas votre chute. Il ne met pas des obstacles sur votre chemin pour vous faire trébucher. Jésus, l'homme encore plus fort, lit et retient le diable pour vous et pour votre salut. Je pourrais m'arrêter là. Mais Jésus a encore davantage à nous dire. Il explique ce qu'est la conséquence de ce que disent les chefs des prêtres et des pharisiens. Écoutez, Jésus, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus, par sa mort, a obtenu le pardon pour les péchés du monde entier. Si vous êtes inquiet à cause de vos péchés, sachez que vous n'êtes pas en mesure de dépasser la grâce de Dieu. Pensez-vous que vous pouvez découvrir et commettre un péché auquel Dieu n'a pas pensé et que Jésus n'a pas expié? Jésus dit tout, tous les péchés seront pardonnés aux hommes. Alors que pensez du blasphème contre le Saint Esprit? Le péché qui ne sera jamais pardonné et qui mérite une condamnation éternelle? Ceux qui accusaient Jésus d'agir au nom du diable risquaient de blasphémer contre le Saint-Esprit en disant que les œuvres de l'Esprit venaient du diable. Certains chrétiens craignent qu'ils aient ou qu'ils puissent commettre ce péché. D'abord, si vous êtes inquiet de l'avoir commis, cela démontre que vous ne l'avez pas fait. Si vous aviez rejeté le Saint-Esprit, vous ne craindriez pas le jugement de Dieu et vous ne désireriez pas être sauvé. Il s'agit de quelques exemples rares dans la Bible, dont Pharaon. À maintes reprises, Moïse et Aaron demandèrent qu'ils libèrent les Israélites. Il rejeta les œuvres miraculeuses que firent Moïse et refusa d'écouter la parole de Dieu. Étape par étape, il endurcit son cœur jusqu'à ce que Dieu l'endurcisse encore davantage et que Pharaon finisse par chasser les Israélites de son pays. Cela dit, dans le contexte du récit, ceux qui accusaient Jésus en disant qu'il collaborait avec le prince des démons étaient en danger de commettre ce péché. Marc écrit que Jésus parla de cette manière parce qu'il disait "Il a un esprit impur." Et non seulement les chefs religieux, mais même les membres de sa famille auraient pu commettre ce péché, parce que ils vinrent pour s'emparer de Jésus en disant, ⁇ Il a perdu la raison. ⁇ Pendant que Jésus enseignait, sa mère et ses frères arrivèrent, se tinrent dehors et le firent appeler. Mais ni le diable, ni les spécialistes de la loi, ni les membres de sa famille ne pouvaient retenir Jésus. Il est venu pour attacher le diable et pour vous pardonner. Vous avez été libérés parce que Jésus a attaché le diable. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Au nom de Jésus, Amen. Prions au Dieu éternel. Nous te louons et te rendons grâce pour ta bonté envers nous, en particulier parce que tu fais de nous des membres de ta famille. Dirige et sanctifie nos âmes et nos corps dans les sentiers de tes lois et dans l'obéissance de tes commandements, afin que nous fassions ta sainte volonté et soyons reconnus comme étant ta mère, tes frères ou tes sœurs. Seigneur Jésus, au cours de ton ministère, tu as eu pitié de beaucoup de gens qui étaient tourmentés et, et possédés par les démons. Viens en aide à ceux que les démons harcèlent de nos jours. Que la manifestation de ton pouvoir contre les puissances et les esprits du mal soit un réconfort pour ton peuple et une invitation pour ceux qui vivent dans la puissance des ténèbres à se réfugier en toi. Puisque nous ne voyons pas toutes les œuvres et tous les chemins du diable. Nous te demandons par ta toute puissante protection de nous délivrer du mal. Seigneur Jésus, tu as été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Compâti à nos faiblesses et quand nous commettons des péchés, aide-nous à les reconnaître, à les confesser et à recevoir le pardon avec action de grâce. Fortifie ceux que le diable tente pour qu'ils résistent aux tentations. Prépare pour eux le moyen de supporter les tentations et d'en sortir. Seigneur Jésus, dans ta miséricorde, tu as dit que même ceux qui blasphèment ont été pardonnés par ta mort. Enseigne-nous à invoquer ton nom dans la prière et à bénir plutôt que de maudire. Protège-nous pour que nous ne commettions pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand nous avons peur des œuvres du malin et oublions que tu, as, tu es encore plus fort que le diable, augmente notre foi pour que nous ne craignions rien d'autre que toi, le seul Dieu, et mettions notre entière confiance en toi. Seigneur de la vie, les chefs des prêtres et les pharisiens se trompèrent et en pensant que Jésus accomplissait ses œuvres par le diable. Et pourtant, certains d'entre eux se repentirent. Conduis les faux enseignants vers ta vérité, et par ta sainte parole, change leur cœur avant qu'ils ne blasphèment contre toi. Ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, exauce-nous selon ta bonté, et donne-nous toutes les choses que tu veux que nous ayons dans cette vie et dans la vie à venir, dans ton royaume qui n'aura pas de fin. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.